Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue, merci de nous rejoindre à ce micro. Alors vous allez nous apporter aujourd'hui une réflexion que vous tirez de la Bible. Vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que l'on trouve dans le livre de Jacques au chapitre 1er, versets 19 et 20. Avant de commencer, Pierre Péchou, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qui est Jacques ? Jacques est un des auteurs du Nouveau Testament et il est le frère de Jésus. Et à la mort et à la résurrection de Jésus, il comprend en fait toute la portée de ce qu'est Jésus. Il deviendra l'un de ses disciples premiers. Et donc nous avons le privilège d'avoir une de ses lettres dans le Nouveau Testament. Alors donc voici ce qu'il dit au chapitre 1er et au verset 19 et 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alors, Pierre Péchou, est-ce que ce passage nous invite à rester calme ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Oui et non. Ce passage ne nous interdit pas peut-être parfois d'exprimer une colère. Certains philosophes parlent de saine colère. Je leur laisse la responsabilité de cette formule. Mais voilà, peut-être il y a des situations où un parent va se mettre en colère parce que l'enfant aura fait quelque chose et ça se justifiera ou ça se justifierait. Alors je pense que ce texte ne nous parle pas de ce type de situation. C'est pas de cette colère-là dont il s'agit ? Non. Alors pour comprendre ce texte, en tout cas pour rentrer dans ce texte, je vous invite à le faire à travers la notion de la gestion des conflits. Oui. Est-ce que nous pouvons régler la majorité des conflits en se mettant en colère ? Ben, ce texte nous dit non, en fait. Nos auditeurs connaissent les réseaux sociaux qui se développent beaucoup et voilà les personnes qui peuvent communiquer, écrire sur certains réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a des modérateurs qui font attention aux paroles, qu'il n'y a pas d'excès. Et entre autres, sont souvent interdits dans ces lieux de discussion, les majuscules. On ne peut pas écrire une phrase entière en majuscules parce que c'est considéré comme un cri, en fait. Et donc le modérateur va modérer la discussion en disant « vous écrivez en minuscule, autrement c'est trop agressif ». Mais on a envie parfois d'écrire en majuscule parce que on pense avoir raison, on veut manifester une injustice, et donc on crie. Et dans le texte, on se met en colère. Pour bien comprendre la colère dans ce cadre de la gestion des conflits, il faut déjà comprendre que dans l'univers biblique, le mot « colère » est beaucoup employé avec Dieu, et on parlera de la colère de Dieu. Et quand on parle de la colère de Dieu, c'est toujours lié à ce que la Bible appelle le jugement de Dieu, c'est-à-dire l'application de la justice de Dieu, une espèce de rétribution à la fin des temps. Et on parle de jugement dernier qui concerne les personnes qui auraient fait et qui auraient choisi de faire le mal dans leur vie. La colère de Dieu, c'est l'application du jugement, la sentence de Dieu contre les personnes qui ont fait le mal. Donc ce texte met bien en évidence la différence entre la colère de l'homme et la colère de Dieu. Oui, et quand le verset 20 dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, on pourrait dire la colère de l'homme ne peut pas remplacer la colère de Dieu. Mais c'est un peu abstrait ça, la colère de Dieu. Alors, oui, et ça reste... Dans mon quotidien, comment est-ce que je perçois ça, la colère de Dieu ? Vous avez entièrement raison, Oscar, de dire que c'est abstrait, parce que la colère de Dieu, elle est liée au jugement dernier, consiste à un événement qui est à venir. Et on est interpellé sur la colère de Dieu à venir. Voilà. C'est intéressant parce que la colère de Dieu nous dit qu'un jour, eh bien, tout événement injuste, tout acte injuste aura une rétribution. Ça ne sera pas laissé impuni en quelque sorte. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, ça ne nous concerne pas dans notre concret. Par contre, ce texte nous dit qu'il nous interpelle en fait pour ne pas résoudre un conflit à travers la colère. Parce que la colère est liée à la violence. D'ailleurs, si vous étudiez la gestion des conflits, eh bien, toute colère est signe de violence, est considérée comme une violence. Et une personne qui chercherait à résoudre un conflit commencerait par faire baisser cette violence, en demandant aux personnes de ne pas se mettre en colère. Alors, la difficulté, c'est parfois, et souvent, nous croyons avoir raison de nous mettre en colère. Ou c'est parce qu'on croit qu'on a raison qu'on se met en colère. Voilà, exactement. Et là, le texte nous dit, soyez prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Et on comprend la progression. D'abord, on écoute. Écouter, c'est prendre vraiment conscience du problème, de la problématique.
Être lent à parler, c'est mettre du temps à prendre position. Parce que si vous parlez, vous vous positionnez par rapport à la situation. Vous vous positionnez, et puis vous pensez avoir raison, et vous pensez que ça justifie la troisième étape, c'est se mettre en colère. Et le texte dit, écoutez d'abord, prenez vraiment votre temps avant de prendre position, soyez lent à parler, et prenez encore plus de temps à vous mettre en colère, c'est-à-dire à appliquer un jugement pour revenir à la définition que je donnais à travers la colère de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, et le texte va continuer en nous demandant d'accueillir avec douceur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir peut-être un discernement assez réduit, même par rapport à un événement qui nous semble facile à juger. Et Jacques nous invite en fait à nous laisser pénétrer par la parole de Dieu, par ses enseignements, par ses conseils. Nous croyons que cette parole est créatrice grâce à l'Esprit de Dieu. C'est une invitation que Jacques fait aux personnes de son époque, mais aussi à travers notre partage. C'est une invitation que Jacques nous fait à peut-être rentrer en contact avec cet enseignement de Dieu, avec cette sagesse de Dieu, avec cette parole de Dieu, pour comprendre que parfois les situations sont plus difficiles qu'il n'y paraît, et qu'avant de porter un jugement à travers notre colère, eh bien, prendre le temps de se laisser inspirer par Dieu pour poser vraiment un juste regard sur chaque situation et sur chaque personne.